maintenant à, je suis maintenant à 10 000 abonnés en un mois. Quand vous attaquez, ça vous c'est plus, c'est bon. J'ai dit à la publicité gratuite, ah, c'est vous qui faites publicité du prophète. Faites publicité. C'est vous toujours qui trouvez que c'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. Non, là-bas, c'est à terre. Quand tu peux résister à une onction, soulevez la main là devant là-bas. Elle va me répondre. Laissez-la me répondre depuis quand elle ne peut pas partir. Soulevez la main là ici. Elle sera délivrée. Ils ont pris son âme, ils lui ont donné fou comme des filles de folie. Mais elle est en train de mourir. La fille là, elle allait mourir très bientôt. Le 10 janvier, elle était diamant. Venez, on va te délivrer ici. C'est ça, on appelle l'esprit de Dieu qui ne peut pas faire ça. Toi, t'es qui? Toi, un démon, tu es qui? Et puis, tu dis le nom de Jésus, tu dis, ah, tu ne bouges pas. Hein? Courage de ça, là, tu n'as pas encore eu ça. Laisse-le. On a fait le courage à la nouvelle église aujourd'hui. Tu vas la livrer. Oui, le diable, il est vaincu, mais il y a tout le monde. Je suis parti. Et pourquoi? Pourquoi? Tu vas partir? Tu vas partir? Non. Tu fais quoi dans ce corps? Qui es-tu? Tu fais quoi dans sa vie? Qui es-tu? Pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est comme ça ici, amen. Amen. C'est comme ça ici qu'un démon, nous voit et l'obligé de se manifester de partir. Parce que la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Nous sommes au-dessus des esprits sataniques démoniaques. Encore Christ dans le pouvoir, l'autorité sur les démons. Sauf que face à une situation où on voit un esprit, un enfant de Dieu doit être saint. Parce qu'il a le pouvoir sur le démon qui se manifeste. Pas parce que il a cette capacité, non. Parce qu'il est enfant de Dieu et Dieu lui dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Tu vas chasser ces démons. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Et toi, tu ne veux pas partir. Tu dis non. Pourtant, il a besoin d'être libre. Elle a besoin de cette joie.
Elle a besoin de sa paix. Ce sont des périodes de fête. Elle a besoin d'être heureuse. Elle a besoin de fêter avec sa famille. Elle a besoin d'être heureuse. Et bien combien de fois tentons de traumatiser et détruire cette vie que Christ a racheté à la croix. Ce soir, je dis, tu vas partir et lâcher sa vie. Parce que cette vie-là ne vous appartient pas. Amen. Tu m'attends? Lâche-la. Allez, lâche-la. Voilà, lâche-la. 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 Son frère, j'ai appelé son frère. Donc maintenant,
chez ta enfant, est-ce qu'elle pouvait dormir comme ça? Parce qu'on a vu une seule personne, on a vu la dompter comme ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle seule pouvait se coucher comme ça? Non. Non? Quand elle se couche, le lit, elle se lève. Ok. Et vous la voyez coucher seule sans qu'elle ne s'agite? Non, elle ne s'agite pas. Sinon, elle a l'habitude de s'agiter. L'habitude de s'agiter. Dieu entend la vérité, d'accord? Amen. Vous irez tout à l'heure à votre suite délivrée. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous serez délivré. J'ai quelqu'un, nous sommes dans la présence de Dieu. J'ai quelqu'un, nous sommes dans la présence de Dieu. L'esprit a dompté, a maîtrisé l'esprit. Vous êtes là? Et une délivrance en train de s'opérer dans sa vie. Hein? Quand tu es encore sur le choc, je vais t'expliquer les choses tout à l'heure. Maman, allez vous asseoir, je vais vous expliquer. Vous êtes encore sur le choc, j'aurai l'occasion. Je suis en train de savourer. Bénis le Seigneur pour ce qui est en train de se passer dans sa vie. La puissance de Dieu en train de faire amener son âme et son esprit qui était otage. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu en train de faire cette œuvre puissante dans sa vie. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Ta gloire dans sa vie. Dis à quelqu'un que je bénis. Dis à quelqu'un que je bénis. Elle est délivrée. C'est un signe. Le signe pour déjà. Voici le signe. Le signe. C'est un signe. Claire, ça va? Ça va, Claire? Oh, je te bénis. Je te bénis. Elle est venue avec qui? Sa
avez dit je viens. Oui, oui, oui. À part ici, où est ta pétition? Voilà ça. Où est ta pétition? Où est ta pétition? Comment ça s'appelle? Va, va, comment ça s'appelle? Francis. Va chercher Francis quand même, on va ici. Francis, tu as combien de grands frères? Oh, c'est merveilleux. L'amour d'une mère. C'est comme si la guérison est fuite. Mais, ça va? Ça va? Je vais te dire. La femme qu'on s'est pas donné avec lui, il est où? Va aller chercher. Comment il s'appelle? François. C'est le petit ou le grand? Vous mangez quoi, vous grand? Vous êtes gros, gros, vous êtes grand, grand. Vous mangez quoi? Maman, les petits petits là, tu les nourris un peu. Les petits petits là sont plus grands que la grande soeur. Ça va, Bio? Je pense que c'est facile. Facile, hein? On est grand sœur. Oui. Bonsoir, mon père, bébé. Ah, que Dieu te bénisse. Tu sais danser? Ouais. Maman, viens ici. Tu sais ce qu'on va danser? Le quoi? Déjà. Nous, on va vendre bébé ici. Hein? Bien, professeur. Le professeur, le professeur, comment c'est fini? Elle est plus radieuse, c'est un peu plus libérée.
Le visage est un peu détendu. Oui, détendu. Oui, je n'arrivais pas à dormir. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle va bien dormir. Son âme est revenue. Amen. Ils ne vont pas te faire de leur mouton, d'accord? Tu n'es pas fait pour. Et Dieu merci. Il y a des gens qui ont la grâce sur leur vie. Vous allez beau les attaquer. Vous ne pourrez pas les vaincre. C'est comme ça. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas une question du prophète Crasso. C'est la grâce de Dieu. Il veut te délivrer ça. De toute cette merde. Et Dieu va te bénir encore, il va te protéger. Aïe! Jésus, aïe! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ?